Je suis pilgrim. J'en ai vendu plus de 10 000 à ce jour, mais vous êtes encore nombreux à ne l'avoir pas lu. Je suis pilgrim, c'est le tour du monde de la géopolitique, ça commence à 11 septembre, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre? Si vous ne l'avez pas lu, je vous assure, lisez-le, et une fois que vous aurez lu celui-là, quelques petites perles, quelques petites pépites qui pourront compléter. Inavouable, traduit du polonais, se passe bien entendu en Pologne, le gouvernement polonais va réunir des gens qui n'ont rien à voir avec les autres, style mission impossible. Ils ont pour mission de récupérer des œuvres qui ont été volées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est haletant, c'est bien fait et c'est écrit par un érudit de peinture de la grande période de la Renaissance. C'est un petit bijou, je vous assure, à lire et à partager. Corée, les toits du Nord. Trois personnages aussi addictifs quasi que Je suis pilgrim. Le meilleur roman d'espionnage n'en est pas un, c'est du vécu, avec un cahier de photos. Vous aimez l'espionnage, vous adorerez l'espion et le traître. Unité 8200, qui est l'unité du Mossad, qui est celle à la pointe de toutes les recherches et des inventions. Là, une des dernières inventions en date, c'est Waze. Elle est composée de geeks qui ne restent jamais très longtemps. Unité 8200, si vous lisez lentement, ça se passe en 26 heures, ben, lisez-le en 26 heures et vous vivrez cette histoire au cours de la lecture. Ça, c'est pas nouveau du tout. La trilogie Blyberg, avant, c'était trois volumes, on l'a réuni en un volume. Et ce qui m'amuse par rapport à tout ce qui se passe, c'est de la puissance des firmes pharmaceutiques à provoquer guerre et pandémie pour avancer dans la recherche médicale. Ah ah, ça se passe à chaque fois, dans chaque partie, entre 1945 et aujourd'hui, Allemagne, Japon et le reste du monde, avec une grande partie de l'histoire à un moment qui se passe du côté de Vilvoorde. Ça, c'est une nouveauté. Je ne l'ai pas lu. C'est quelque chose qui est rentré vendredi. Voilà, c'est aux éditions Tripod, ma première journée au FBI. Qu'est-ce? À vous de le découvrir. Ici, c'est un rayon que j'ai installé et qui reprend des genres un petit peu similaires. Il y a des coups de cœur, il y a des collections qu'on met en avant. Cédric Banel et Daniel Silva, deux petites pépites, si vous aimez le genre espionnage suspense. Merci à tous et bonne lecture.